El alemán usaba un PRI, letra ampulada, tipo Buenos Aires. Al arribar, yo vi la noche de Rubinstein, del primer concierto de Rubinstein. Al oye el vino, un salón sexual. Y se refirió a mi familia. Ya Pell, les pongo un empresario, Quesada, de no reservé en Lodge. Y la reservé la Lodge, dan la espalda podio mismo de la Sen, después aquí fese faz a Rubinstein. A los Rubinstein les sabe pa' que se te dan el rean de tú, pa' que se diga que se te dan el rean de ir. Y se preparé, se te las, no son sabibé a enfrentar, no son sabibé, les va a la, como se mante, la tira de Chopin y la ley toda la partida de Chopin. Y alors, y se preparé a sufrir Chopin, ¿no? Y tout d'un coup, il a vu Frima. Y il a perdu complètement les nerfs. Y il a joué, n'est-ce pas, d'une façon très énervée. Il se trompait à chaque moment. Y alors, Ignace me prenait de la, del brazo y dice, ce n'est pas cela. Y yo dije, mais ce n'est pas moi. Mais après ça, c'était l'œuvre d'Albéniz tout entière. N'est-ce pas que c'était là. La idea, es que se va. No se va, no se tienda de consejo, yo me sentí. Por la partida al Venis, como al Venis hay gris, la misique, esa misique de infa son terribles, más difícil. Parfois, y se amplifié, o él se trompeó, que se llama. Ya lo, se te deja, a lo se mueve que prende el brazo, en fin, y se suele pasar. Se pandrá, que no son sales de jugar. Y la de ella de Río Luis y la de Apoyo. Y Luis di, Artur, bon, très bien, surtout al Venis. Y allí fui a Artur, très bien, surtout Chopin. C'était tan gran pianista d'abord, y bien magnifique musicien. Alors, me fai la ve le caractère artistique suficient pour tenir le grand succès. Peut-être il avait un peu de retenue devant le public, n'est-ce pas? Peut-être cela porque, parce que quand il se présentait à côté d'un autre plus grand pianiste, c'est l'autre grand pianiste qui a eu le succès plus grand que lui. Mais le succès de Frima était toujours un succès d'intimité, de grands musiciens qui ont compris, n'est-ce pas, son talent. Quelle œuvre aimiez-vous en tant qu'interprétation? Est-ce que vous aimiez Chopin ou je vous dis le Schumann? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Je me souviendrai toujours par, avec émotion de des choses qu'il a jouées une fois. Différentes fois, mais une fois surtout. Justement à Buenos Aires et puis à Paris. Que c'était la chaconne de Bach, l'arrangement de Busoni, de la chaconne de Bach. Et une autre fois, à Buenos Aires, le carnaval de Schumann. Il a joué avec une émotion énorme. La chaconne avait une émotion sérieuse, profonde, mais réprimée, pour ainsi dire. N'est-ce pas, c'était magnifique, se souvenait que j'ai de la chacon de Bach, n'est-ce pas, dans l'arrangement de Pujol, pour son que j'aime pas beaucoup parce qu'il y a trop de vêtements. C'est-à-dire, n'est-ce pas, il a renforcé trop les harmonies. Et alors, la poésie de la chacon sombre.